Le Requiem, l'œuvre emblématique de Mozart, n'est pas qu'une simple partition. L'histoire de cette pièce maîtresse de la musique classique regorge de rebondissements, autant de clés pour comprendre et faire comprendre l'homme et sa musique. Ces anecdotes, Diana Higby les connaît toutes, comme celle du commencement, lorsque le compositeur reçoit une étrange commande. Il y a un messager mystérieux qui est venu masqué avec une lettre lui demandant d'écrire un requiem. Mais en acceptant la commande, Mozart n'avait pas le droit de demander qui était le mécène. Donc déjà, ça commence, c'est le début d'un roman. La soprano se sert de ces histoires pour intéresser un public nouveau au classique. Pour elle, il est important de démystifier la musique savante pour la rendre plus abordable. La seule différence entre la musique classique et la musique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on ne l'aime pas. Mais après ça, en fait, ça reste toujours des notes, des accords qu'on met ensemble et ça fonctionne. Entre chants, cours d'histoire et de musique, la cantatrice rend Mozart accessible au plus grand nombre. Et quoi de mieux pour découvrir un tel monument que de laisser une passionnée nous l'expliquer ?